parce qu'en fait, ça dépend. Ce bruit, on risque de moins l'entendre demain. Le syndicat CGT de la Régie des Transports de Marseille a déposé un préavis de grève non reconductible de 5h du matin à minuit. Rejoint par la CFDT, les salariés ne protestent cette fois-ci pas contre leur tenue de travail, mais contre la communauté urbaine MPM en charge des transports de la ville. Il y a un très fort mécontentement au niveau des salariés. Et on va dire au niveau des décisions que prennent MPM, puisque ce sont bien eux aujourd'hui qui sont décideurs de tout ce qui se passe et de tout à la RTM. Donc quand je parle de mécontentement, c'est par exemple sur des réorganisations au niveau du métro, où il y a un isolement des salariés, un mécontentement de la clientèle également. Selon eux, la direction souhaite aussi leur imposer 2 jours de travail supplémentaires, des jours pris sur leur congé. Autre mécontent, les usagers. Bon, c'est les gens qui travaillent qui sont embêtés, ce sont les mêmes. Ben là, je ne sais pas ce qu'ils réclament. Bon, ben, on est habitué à Marseille. On est sur Marseille sur quelques jours. Nous repartons aujourd'hui, heureusement, parce que demain, on souhaite bon courage aux Marseillais. Nous sommes confrontés au même problème sur Paris et nous connaissons effectivement ces aléas et franchement, c'est pénible. Les perturbations toucheront l'ensemble du réseau. Un bus sur deux ne circulera pas demain. Le matin, 60% des métros fonctionneront ligne 2, autant l'après-midi sur la ligne 1. Du côté des tramways, le service sera assuré à 50% sur les deux lignes. Il faudra donc s'armer de patience.